Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach. Aujourd'hui, je vais vous parler des thérapies pour ados. Sioran disait, je ne laisserai personne dire que 20 ans est le plus bel âge de la vie. Eh bien, pour 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, je crois qu'on peut dire exactement la même phrase. On change, on évolue, nos aspirations, nos goûts sont en perpétuel changement. Et puis, pardonnez-moi l'expression, c'est un véritable bordel hormonal, tel que l'adolescence est rarement une période de plénitude et de calme. On change d'un bout à l'autre, et dans le corps, et dans l'esprit. Mais ce n'est pas parce que cette période est traditionnellement difficile à vivre que certains ados ne souffrent pas authentiquement et profondément. C'est à l'adolescence que se développent généralement l'anorexie, la boulimie, parfois des dépressions profondes, des problèmes d'automutilation. Les suicides également sont très fréquents à l'adolescence, et donc c'est important de garder un œil sur votre adolescent. Ne le laissez pas tout faire, évidemment, mais si à un moment vous sentez que la situation vous échappe et que quoi que vous tentiez, plus vous tentez la chose et moins ça marche, eh bien à ce moment-là, il est peut-être intéressant de le faire consulter. Qu'est-ce qui est important quand on choisit une thérapie pour un adolescent? Tout d'abord, qu'il soit d'accord. Essayez de le convaincre avant de le forcer d'aller voir un psy, sinon ça sert à rien, juste à le bloquer encore davantage. Et puis, ayez à cœur de choisir un psy qui ait vraiment l'habitude du contact, la facilité du contact avec les adolescents, parce qu'il va être important que lui ne se positionne pas comme un donneur de leçons, comme vous pouvez être perçu par l'adolescent, mais plutôt comme quelqu'un d'aidant, quelqu'un en connivence avec l'adolescent qui va lui permettre de se positionner et de retrouver une personnalité, une affirmation qui lui font peut-être défaut. Il faut avoir, pardonnez-moi l'anglicisme, le feeling, l'habitude de cet âge-là pour être vraiment performant. Vous avez le site psy-coach.fr où vous trouverez un descriptif détaillé de toutes les thérapies qui existent. Vous trouverez également sur ce site l'adresse, le nom de psy spécialisé dans le traitement de l'adolescence. Et puis, si vous souhaitez nous consulter, vous avez un numéro de téléphone, le 01 42 26 40 27.